Bonjour les beaux bijoux et bienvenue pour un nouveau point lecture, si on peut dire ça comme ça. Alors j'ai reçu de la part des éditions Guitre et Daniel ce livre que mais je voulais tellement depuis longtemps. Ted Andrews, c'est une de mes personnes préférées quand il s'agit des animaux, parce qu'il parle tellement bien des animaux. C'est une personne, malheureusement, qui est décédée, qui sait tellement bien se connecter au pouvoir des animaux. C'est super intéressant, en fait. C'est riche, c'est informatif, intéressant, c'est juste génial, en fait. Et je me suis régalée, moi, avec cette briquette. Alors, c'est une briquette, mais il y a quand même une partie qui est dictionnaire. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter son livre. Donc, c'est Le langage secret des animaux de Ted Andrews. Ce sont donc les pouvoirs magiques et spirituels des créatures des plus petites aux plus grandes. Et comment vous dire que j'ai juste kiffé? Alors, ça m'a pris du temps parce que y a pas mal d'exercices à faire, de la méditation, de la visualisation, le fait de se connecter. Et puis, j'avais pas envie juste de vous présenter le livre pour vous dire de vous le présenter comme ça parce qu'il est bien pour travailler avec les animaux. Non, j'ai vraiment fait un travail. Voilà, j'étais complètement plongée. J'ai mis mes petites marques. Et voilà, j'ai adoré et je remercie vraiment, vraiment énormément Isabelle, merci, mais merci aux éditions de m'avoir envoyé ce livre parce que pour moi c'est juste d'une richesse incroyable et je vais pouvoir travailler avec tout au long de ma vie. C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas un livre qu'on prend et qu'après on dépose dans sa bibliothèque. Non, on peut travailler avec tout au long de sa vie si vous êtes en accord avec en accord, si vous vibrez pour les animaux, si vous avez cet amour pour les animaux, si vous avez envie de travailler avec, si vous aimez faire des voyages chamaniques, si vous aimez vous connecter à leur pouvoir, à leur qualité, voir un peu aussi quelles sont leurs faiblesses, ça va vous apprendre plein de choses sur votre vie à vous, dans votre vie quotidienne. Et c'est ça que Ted Andrews nous présente ici en fait. Et c'est génial. Alors c'est long et t'es génial. Donc je vais vous le présenter. Alors, cette briquette, je vais vous lire un peu le résumé. Comme ça, vous allez peut-être un peu plus comprendre. Voilà. Le langage secret des animaux procure les techniques permettant de reconnaître et d'interpréter les signes et les présages du monde de la nature. Approcher les animaux tant sous forme totémique que spirituelle, rencontrer-les et travailler avec eux en apprenant le langage symbolique de leur comportement dans le monde physique. Ce livre est devenu un best-seller et un guide de référence pour quiconque veut établir une connexion spirituelle avec la majesté et le mystère du monde animal. Vous y découvrirez comment, et c'est ça qui est important ici, identifier, rencontrer et s'harmoniser avec vos esprits animaux. Découvrir le pouvoir et la signification spirituelle de plus de 100 animaux, oiseaux, insectes et reptiles. Invoquer les pouvoirs protecteurs de vos animaux totems. Maîtriser quatre techniques de compréhension du langage des animaux, des oiseaux, pardon. Apprendre l'enseignement fascinant et les langages exotiques des reptiles et des insectes. Créer et utiliser cinq rites animaliers magiques, dont la métamorphose et la danse sacrée. Donc voilà, il a fait plein de bouquins, Ted Andrews. Ça a l'air juste génial en plus, mais bon, moi déjà celui-là, je suis déjà super contente. Alors, Ted Andrews, juste pour vous rappeler, il a également créé le tarot de la sagesse animale qui est juste génial. Je l'adore et je vous montrerai le livre qui est très bien fait aussi. Bah, j'en profite, on parle de Ted Andrews, autant y aller. Donc ici, on se retrouve avec un fameux livre. Alors, un petit mot à propos de l'auteur. Il aime bien mettre des messages comme ça qui sont généralement tirés de tribus ou de personnes qui sont très sensibles à l'environnement. Donc, sont de très beaux textes généralement. Et puis, on a une introduction où il nous invite à apprendre le langage animal. Il va voilà, nous dire qu'est-ce qui est bon en fait à apprendre chez eux pour pouvoir appliquer. Pour que l'on puisse appliquer ces choses dans nous, dans notre vie quotidienne. Alors, on a une première partie. La première partie, ce sont les symboles dans le monde naturel. La deuxième partie,
C'est l'enchantement ailé. Donc là, on est vraiment sur les oiseaux. Il y a pas mal de choses sur les oiseaux. On a une troisième partie. J'ai mis des petits marque-pages. La troisième partie, c'est comprendre la médecine animale. Et ensuite, la quatrième partie, le langage exotique des insectes et des reptiles. Alors, au milieu, donc on apprend déjà donc pas mal de choses. On a d'abord en fait le dictionnaire des oiseaux totems. On a un dictionnaire à l'intérieur donc des oiseaux totems, avec toujours des règles de base, hein. Il part pas directement, voilà, le premier animal, il y a quand même des questions de base en fait. Quelle est sa couleur, quelle est sa taille, sa forme, comment agit-il, etc. Et puis après seulement on a le dictionnaire. Voilà. Toujours en plus avec des petites représentations en noir et blanc, c'est super sympa. Alors après, donc, il nous parle. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Magnifique. Il va nous parler de. Donc, de. Après, on a le dictionnaire des animaux totems. Voilà. Donc là, on a les animaux, les mammifères. Et pareil, hein, on a le dictionnaire et c'est juste enrichissant, c'est juste génial. Et voilà, et puis on a un dictionnaire à la fin, mais du coup un peu plus petit, le dictionnaire des reptiles aussi. On a le dictionnaire des reptiles qui est un peu plus court et le dictionnaire des insectes également. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je remette des marque-pages différents pour les dictionnaires. Mais je trouve que le dictionnaire n'est pas complet. Ça, c'est vraiment le truc que voilà que, sur lequel voilà il a pas pu tout répertorier. On aurait eu un bouquin comme ça en fait, hein, donc c'est logique. Mais avec le livre du tarot de la sagesse animale, ça vient bien compléter. Je vais vous montrer. Bon, je continue. Donc dans la première partie, il vient nous parler donc des symboles dans le monde naturel. Et là, c'est juste génial. On a plusieurs chapitres. Le premier chapitre, ce sont les rôles magiques et spirituels dans la nature. Donc on nous parle des chamans, des prêtres, des prêtresses qui, par le passé, étaient vraiment connectés au rythme de la nature et des animaux. Voilà. Il nous invite à utiliser l'imagerie animale pour nous connecter au monde invisible. Voilà. Super beau, hein? C'est super beau et c'est super intéressant surtout. Alors après, il nous parle de s'éveiller à nos esprits totems. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous donne des techniques. Donc voilà, d'abord, c'est connaissez-vous vos animaux totems? Et on a un questionnaire ici qui est juste génial, avec des questions. Quel animal ou oiseau vous a toujours fasciné? Quand vous visitez un zoo, quel animal voulez-vous voir en priorité? Et donc il y a comme ça 8 questions, où on peut déjà un peu se douter peut-être de quel animal est plus présent dans notre vie, en fait. Les fondamentaux des animaux totems. Et donc là, on a plein de choses pour pouvoir honorer son animal totem. Le rencontrer. Donc voilà, il va nous donner une relaxation, voilà, qui est ici. Pour pouvoir nous connecter. Ah, j'ai pas mis ça. Il va nous parler aussi de quelque chose de très intéressant que j'ai pas mis en fluo d'ailleurs. Le mystère et la magie du prédateur et de la proie. Et donc il y a vraiment une relation très proche entre le prédateur et la proie. Donc si vous avez un animal totem comme un aigle par exemple, lui c'est le prédateur et il a des proies. Et c'est toujours intéressant d'aller voir les animaux qui sont les proies. Voilà, pour voir un peu comment vous pouvez vous en sortir, qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est génial en fait, c'est super. Voilà, et il dit ici par exemple l'aspect du monde naturel le plus mystérieux est le mystère du prédateur et de la proie. La plupart des individus pensent que l'on fait référence à celui qui tue et à celui qui est tué. En réalité, dans le monde animal, la plupart des créatures se retrouvent entre ces deux extrêmes. Parfois, le prédateur est aussi la proie.
Un serpent engloutira une grenouille, mais alors il sera attrapé et dévoré par une buse. Et donc il y a tous ces cycles comme ça qu'il analyse et c'est super génial. Moi j'ai passé mon temps à lire et oh, j'étais complètement plongée dedans. Donc c'était super. On a des exercices magiques à faire. Oh, c'est génial. Super, super, super. Là on en a plusieurs qui sont reliés aux éléments. Donc voilà. Ensuite, on a lire les signes et les présages de la nature. Vous savez, les chamans, les prêtresses, les prêtres, etc., pendant de nombreuses années, ils lisaient les signes dans la nature. Voilà, quand ils voyaient des plumes par terre, ça c'était signe de ça. Quand ils voyaient autre chose, c'était le présage de ça. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Enfin, tout le monde est capable, pardon. Tout le monde est capable de le faire. Mais il faut faire la différence entre les présages et des superstitions. Parce que ça, il y en avait beaucoup aussi. Donc voilà. Et là, il nous invite à déchiffrer ces présages dans la nature, tout simplement. Et donc, ça demande une approche très intime avec la nature et à passer beaucoup de temps dans la nature. Alors, il nous parle aussi des qualités symboliques de certains arbres. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est toujours très bien. La qualité symbolique des plantes. On a ici les couleurs avec leurs qualités positives et négatives. Les couleurs que vous retrouvez dans la nature, bien évidemment. On a aussi les nombres avec leurs aspects positifs et négatifs. C'est un livre qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. Donc aussi les directions, ici. Et puis, on a les augures et la signification de l'environnement, c'est-à-dire vous-même devenir votre propre oracle pour pouvoir déchiffrer ce que la nature nous envoie comme message. Mais comme je vous l'ai dit, il faut quand même être très, très proche de la nature et c'est en pratiquant que vous verrez les signes et que vous les comprendrez à chaque fois de plus en plus facilement. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce livre aussi, c'est la symbologie de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement où on habite. Donc ici, il y a l'environnement urbain. On a également les arbres et les plantes des forêts, jardins et plantes, maisons et logis. C'est génial, hein, génialissime ce passage, je l'ai adoré, parce que selon la façon dont votre maison est située, si c'est dans un vallon, si c'est près d'une rivière, tout cet environnement, et c'est très chouette à analyser et vous allez trouver des réponses à vos questions déjà rien qu'à ça. Puis il continue avec les montagnes, marais, marécages, vallées, terrains boueux. C'est juste génial. Continue avec les océans, les mers et les rivières. Et puis on arrive à la deuxième partie qui est aussi pas mal et qui nous parle de l'enchantement ailé. Et donc c'est les oiseaux totems et l'initiation de l'air. Voilà. Et là on a pas mal de choses aussi avec les oiseaux. C'est très très intéressant. Œuvrer avec la médecine des oiseaux. C'est génial, des exercices pour comprendre le langage des oiseaux. Et là on a des exercices à faire dans la journée. C'est franchement très intéressant. Enfin, vous voyez, moi, j'ai pas arrêté de flûter, donc je me suis complètement accaparé le livre. On a les qualités symboliques de certains oiseaux. Alors moi, j'ai surligné ceux que je vois par chez moi, évidemment, parce que j'habite en ville. Voilà, c'est super, super, super. On a une belle méditation ici. Vous voyez, j'ai mis méditation. C'est génial. Le mystère des plumes et du vol, ça aussi c'est très bien expliqué. Donc on a une grande grande partie en fait, hein. La magie des plumes. Alors là aussi on a tout un quelque chose avec les plumes, que si on les prend, si on en trouve, etc. Ensuite, on a le dictionnaire des oiseaux. Et ensuite, on vient ici où on nous parle de honorer nos animaux totems. Donc ça c'est très intéressant. Le mot animal vient du mot latin anima, signifiant âme ou souffle de vie. C'est très beau, hein? Donc finalement on est très près de la nature, plus près qu'on ne le pense. Et des fois on traite les animaux vraiment comme si
Voilà, c'était pas des égaux par rapport à nous, et je trouve que moi, ils sont tout à fait égaux par rapport aux êtres humains. Donc voilà, je trouve des fois qu'ils font même preuve d'intelligence beaucoup plus que les humains. C'est une parenthèse et c'est là mon propre ressenti des fois. Voilà. Donc ici, on du coup va honorer son animal, des rites animaliers qu'il nous propose à faire avec de la musique, des percussions, parce qu'il faut savoir que Ted Andrews, donc comme il est chaman, il aimait bien faire des voyages chamaniques avec un temps avec son propre tambour. Voilà, donc on a tout des rites qui sont super, puis on a le dictionnaire hein, des animaux totems. Là, c'est pareil, hein. On a plein de questions à se poser. Donc, comment s'adapte-t-il au changement de saison? Quand se reproduit-il généralement? Comment s'adapte-t-il pour survivre? Quand le voit-on le plus souvent? Ce sont toutes des questions qu'on peut se poser à propos de nos animaux totems. Et voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà été surlignée dans le dictionnaire. Dictionnaire, comme je vous dis, que je trouve un peu pauvre. Mais c'est normal parce qu'il travaille tellement avec. Avec les animaux, là, on fait vraiment un vrai travail avec les animaux, en fait. C'est vraiment pour nous rapprocher de la nature et de la relation, pardon, avec l'animal. Voilà. Puis on a les insectes et les reptiles, et là aussi, on a des questions à se poser, etc. Vous voyez, moi, j'ai été voir, par exemple, la tortue, et j'ai appris beaucoup de choses sur la tortue. Il y a deux pages. C'est pas mal, hein. Il envoie du lourd, hein. Donc c'est génial. Voilà, avec un index évidemment à la fin pour pouvoir vous y retrouver. C'est un livre, pardon, que je ne peux que vous conseiller. C'est de la bombe en barre, c'est de l'or en barre, c'est génialissime, c'est juste surkiffant. Pour ceux qui aiment les animaux et la nature, vous allez trouver votre bonheur. Je vous conseille, pour ceux qui aiment les cartes, vous savez, moi j'aime les cartes, donc le tarot de la sagesse animale. Alors, c'est pas tant pour les cartes parce que. Elles sont pas d'une beauté extraordinaire et c'est pas là, c'est pas ce que je veux vous montrer. Mais si vous êtes intéressé, travaillez avec les animaux. Ted Andrews, il a vachement bien travaillé sur celui-là, sur ce livre-ci. C'est génial. Ben, c'est simple, j'ai plié plein de choses, j'ai corné plein de pages là aussi parce que ben, c'est génial. Et du coup, là, vous avez un peu plus d'animaux. On en a quand même 78. Et par exemple, voilà, vous avez la grue blanche et vous avez. Des mots-clés et vous avez des informations sur l'animal. On va prendre un autre, le lynx. Vous avez la reproduction en noir et blanc, des mots-clés. Bon, les cartes, la famille à laquelle elle appartient, la reine des quadrupèdes, j'imagine que c'est la Terre, je suis pas sûre. Et ici, donc, vous avez des informations sur le lynx. Sur la page de derrière, ça continue. Et ensuite en position renversée si ça vous intéresse. Moi, c'est pas mon cas, mais ouais, voilà. Et juste avant, on a ben, plein d'infos. Génialissime. Ça vient bien compléter ce livre-là, en fait. Et les éditions Guy Trédaniel, merci encore Isabelle, merci encore de m'avoir envoyé ce livre-ci. Parce que je trouve qu'il était vachement complémentaire par rapport au langage secret des animaux. Voilà, comme je trouve que le dictionnaire ici, il n'est pas assez complet. Je cherchais par exemple un animal, j'ai pas trouvé, j'aurais bien voulu le trouver. Dans celui-ci, il y est. Parce qu'ici, Melissa Alvarez a fait un boulot génialissime. Je vous présenterai ce livre à part, mais je voulais quand même vous dire que ça complétait très bien ce livre-là. Elle a fait un boulot génial parce qu'elle répertorie ici 200 animaux sauvages, domestiques et mythologiques. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et là aussi, on est sur le domaine pas que spirituel, la relation à l'animal. Et là, on est plus dans le dictionnaire. Vous voyez, là, par exemple, il n'y a que cette petite partie-là, sans compter la table des matières. Voilà. On a une mini introduction. Et donc là, on ne sait pas vraiment comment vraiment travailler en profondeur avec nos animaux totems, avec nos animaux de pouvoir, les animaux que l'on peut apercevoir assez souvent dans notre environnement. Il n'y a pas grand-chose, hein. Et moi, je l'avais déjà vu chez une amie, ce livre, et je le trouve génial. Et du coup, je suis vraiment chanceuse, j'adore, j'adore. Et du coup, là, on a toute la partie dictionnaire qui vient compléter à merveille le langage secret des animaux. Juste génialissime.
Et je vais vous montrer un exemple. On va prendre. Voilà, on va prendre l'écureuil. Hein. L'écureuil, elle travaille d'une façon différente de Ted Andrews, évidemment. Mais on voit bien qu'il y a cet amour pour les animaux qui est présent. Donc c'est juste super intéressant. On a les traits de l'écureuil. On a ses talents, ses défis, l'élément, les couleurs primaires et l'apparition. Et ensuite, on a une petite visualisation à faire aussi avec un petit exercice. C'est génial. Et il y a tellement d'animaux que c'est super, super bien fait. Fou, tous les animaux que j'ai pas déjà demandé à mon ami quand j'avais pas ce livre de lui. Hey, si tu peux me dire ce que ça signifie, cet animal-là, j'arrête pas de le voir en rêve, ou voilà. Franchement, ça et ça ensemble, c'est de la bombe. C'est de la bombe pour ceux qui apprécient, qui ont envie de connaître leurs animaux totems plus en profondeur, qui ont envie de connaître leur environnement plus en profondeur, qui ont envie de se connecter plus avec la nature. Ah ben, c'est tout pour vous. Voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre-ci. Et ce livre-ci. Mais celui-ci, si vous voulez, je vous ferai une présentation un peu plus en profondeur, il n'y a pas de souci. Comme c'est plus un dictionnaire, ben, je n'ai pas du coup énormément à vous dire. Le travail, il se fait plus avec celui-là. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que vous avez bien aimé cette présentation. Moi, j'ai adoré le lire et je continuerai à aller chercher des infos dans ce livre-là. Merci Isabelle et bien merci aux auteurs d'avoir fait un si beau travail, évidemment. Voilà, Ted Andrews, merci. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, évidemment, pour d'autres vidéos. Bisous lumière, les amis.